à tous, c'est Créa Bilou, j'espère que vous allez bien. Je viens aujourd'hui pour vous présenter un mini-album pyramide donc, que j'ai fait suite au tuto de Dani Scrap. Donc, elle a fait un tuto et puis en plus elle a gentiment donné tout le mode opératoire en PDF. Donc c'était parfait et donc du coup j'ai fait cet album pyramide. Donc moi je l'avais trouvé jusqu'à maintenant que par les américaines, mais c'est vrai que bon, c'est assez compliqué de tout comprendre. Donc du coup voilà, je la remercie d'avoir fait ce tuto en français. Voilà, donc il se présente comme ça hein, donc voilà, il y a plusieurs épaisseurs le derrière. Voilà, donc moi je l'ai voulu dans les tons crème et noir et voilà, et crème, donc voilà, marron. Donc là il s'ouvre avec un nœud, donc j'ai fait zéro décoration pour l'instant, je l'ai laissé vierge, je sais pas encore quelle photo je vais mettre dedans, donc voilà. Donc il s'ouvre, donc la première fenêtre, enfin la première le premier volet il s'ouvre comme ça et puis comme ça. Voilà. Le deuxième volet, il s'ouvre comme ça. Là, j'ai fait un petit tag. Voilà, hop. Ensuite, il y a le troisième volet. Donc là, il s'ouvre comme ça. Hop. Et hop. Voilà, hop. Et hop. Ici, il y a une petite fenêtre. Et puis il y a de quoi mettre une photo ici et on peut en mettre une derrière si on veut. Hein. Même ici et ici. Voilà, donc c'est un mini album pour des petites photos hein, de petites dimensions. Voilà, celui-là, hop. Hop. Celui-là. Et puis donc bien sûr plus on va en profondeur et plus les photos peuvent être grandes hein, bien sûr. Et donc là pour la dernière page il y a une cascade, donc on tire la petite languette là et ça nous fait une cascade avec des photos. Alors là c'est pareil, c'est des toutes petites photos, hein, y a pas plus. Voilà. Et il se referme comme ça. Voilà, donc je l'ai fait, je l'ai commencé hier après-midi. Et puis je l'ai fini aujourd'hui. Donc voilà, ça en gros, le plus long, alors il n'y a rien de bien compliqué. Le plus long, c'est toutes les découpes de papier et le collage. Moi, j'ai tout collé avec du double scotch, enfin du double face. Donc c'est vrai que c'est un peu long à faire, mais sinon au niveau simplicité, voilà, c'est très simple, son tuto est très bien expliqué. Donc voilà, et puis je trouve ça très sympa, très original, voilà. Donc ben voilà, vous me direz ce que vous en pensez, moi je le trouve assez sympa, je pense en refaire en déco de Noël. Et puis l'avantage c'est qu'on peut même... Donc là, il est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a 7 volets, mais à la limite, on peut le réduire pour des cartes, on peut le grossir, enfin voilà, c'est... Mais je trouve très sympa la forme, il manque la déco, bien sûr. Quand la déco sera faite, je vous représenterai cet album. Pour l'instant, je ne sais pas encore, comme je vous disais, les photos que je vais y mettre, voilà. Donc j'espère que cet album vous aura plu. Et puis voilà, donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée, et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous, bisous.